Salut tout le monde, c'est MarsBro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone en classé jeu d'hiver. Donc, on a deux petites quêtes. Là, vous pouvez voir, on a prêtre démoniste. Bon, là, c'est des petits faibles en apparence. On va devoir invoquer deux personnages, enfin, des serviteurs moins de cristaux ou égal à deux cristaux. Donc, on va regarder. J'aurais bien voulu jouer mage pour cette vidéo. On va regarder si on peut pas avoir mieux. Paladin ou prêtre. Donc ouais, on va jouer prêtre, hein, on n'a pas trop le choix. Prêtre, je n'ai pas. Je pense que mon stuff est. Enfin mon stuff. Mon deck est déjà fait. Il me semble que mon deck, je l'avais fait il n'y a pas longtemps. On va regarder prêtre, voilà. On est parti, on fait un classé. Donc là, la saison vient de commencer il n'y a pas trop longtemps. Donc je suis monté en 19, hein. Merde. Non, pardon. Hop. Bon, mais bro, là c'est moi pendant le montage. Il faut savoir que j'ai fait ma vidéo pendant 1 heure de gameplay. J'ai eu beaucoup de défaites sur 5-6 combats. Et quasiment toutes les victoires étaient des capitulations de l'ennemi. Donc, à savoir que je n'ai vraiment pas de chance. Ce qui sera certainement le titre de la vidéo, avec un jeu un peu malchanceux. Il faut savoir aussi que le prêtre était assez mauvais. Donc, ce qui est simple, c'est que aujourd'hui, ça ne sera pas un gameplay comme d'habitude, on va dire. Je vais vous montrer mes énormes défaites, les fins, les débuts des fins, et tous les gros fails que j'ai pu faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, bon visionnage! Vite, on pourrait tuer celle-là. Une autre charte qui vient vous défousse là. Ok. C'est très chiant là, je peux vraiment rien faire. Voilà, là c'est perdu. On va dire bien joué. Voilà. Là, c'est bon, il nous a tués. Une 8-12, oui, je sais. Elle va mourir dans ce tour-là, c'est quasiment obligé. Mais bon. Et une explosion de feu. Deux robots de sang antique. Oh là là, il me met vraiment dans le mal. Ah, puis ça va réinvoquer ceux qui sont morts. Et en plus avec leur râle d'agonie. Oh là 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 là. C'est sévère, sévère. Voilà, il a gagné. Putain de merde. C'est quoi ces mecs? J'avais rien du tout, ça m'énerve. Allez, on est parti contre un paladin. En 4. Oui, je peux faire ça. What the fuck? D'accord, d'accord. Ce n'est pas lui. Quand
Quand je le soigne, lui, ça ne fait rien du tout. Donc on lui a piqué sa petite légendaire. Bien joué. Bien joué. Donc il nous gagne quand même, hein. Il a beaucoup plus que 11 de dégâts. Et putain de merde, ça me saoule. Ah, bah les bros, il a capitulé, on pourra en faire une. Étant donné que j'ai déjà joué Démoniste la dernière fois, on tente de la fin. Étant donné que la quête demande prêtre ou démoniste, et vu qu'on l'a joué la dernière fois, pas trop utile de le refaire. C'est pour ça que je me force de jouer prêtre, même si je n'aime pas trop. Faut dire que c'est une classe que je ne connais pas trop. Par contre, toi, t'es obligé de manger à chaque fois. Ok, donc on va jouer ça. On va dire bonjour. Voilà. Salutations. Contre un petit chaman. Bon, début de game assez tranquille. Voilà, un petit limon. Classe pas mal ça. Classe peut être pas mal ça. Si on arrive à faire un combo, on va voir ce qu'il peut avoir. Un tour soir, Senjin. On va voir ce qu'on pioche après. Deux cristaux de mana pour ce tour uniquement. Pas mal, c'est bien joué. Ça me la lance en 3-3. Non, ce sera pas suffisant. Voilà, c'est pas mal. On a notre simple d'attaque ou plus. Après on a le heal, prendre contrôle. Ok. Où dois-je frapper? Assez dur la charge. Il a choisi la provoque, donc ça c'est assez cool. Je te prends des cas. Il en resterait 4. Bon, je fasse la provoque. Je dois réfléchir. Alors là, je ne sais pas quoi faire. Parce que si je fais ça, ça fait une 4-4. Attendez, on va voir ce qu'on peut faire. 4-4. Et ça ferait 5-4. Voilà, une 5-5. Que l'on heal. Ok. Donc pour l'instant, c'est bon. Ah. C'est un peu bête. Donc on a fini la quête. On passe pas encore niveau 17. Voilà, une petite quête de finie.
Pourquoi j'ai rejoué prêtre? J'aurais dû changer pour que ça varie un petit peu. Ok, ok, carte supplémentaire. Voilà, c'est pas super ça. Ok, ok. C'est complètement débile, donc apparemment ça confère vraiment 2 points de vie. Oh non, mais ils sont sérieux à tous avoir cette carte. Ouais, non, il nous finit à ce tour-là, hein. Il me semble. Non, ça dépend ce qu'il peut faire. Ça dépend vraiment ce qu'il peut faire. Ah oui, donc là il nous finit, je pense. Bien joué. Assez dommage. Un missile. Énorme finish. Alors, on up 17. Bon, écoutez les bros. On va se quitter là, donc la dernière game était vraiment nulle à chier, donc je pense pas que je vais vous la mettre. J'espère que cette petite vidéo, donc du coup elle sera assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous mettrez un like, on fera sûrement une autre vidéo avec un meilleur gameplay j'espère. Et je vais éviter quand même de jouer les decks que j'aime pas trop. Oula, je vais éviter les decks que j'aime pas trop. Sur ce, je vous dis à bientôt, allez, ciao ciao, je vous aime les bros.